Bonjour à tous, je suis Colline Nettès, chargée de programmation à l'Institut français du Congo à Pointe-Noire. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une présentation des événements principaux du mois de juin à l'IFC. C'est parti! On commence tout d'abord avec une réunion préparatoire au départ pour les étudiants, organisée avec Campus France le 6 et le 20 juin à partir de 14h à l'IFC. Ensuite, nous continuons avec le 8 et le 9 juin. Le festival Sangoun Jinji organisera deux soirées à l'Institut français avec au programme débat d'idées, théâtre, mais également 6 concerts répartis sur les deux jours. Par la suite, nous aurons la fête de la musique le 21 juin où nous accueillerons un DJ, DJ Marco Jules, pour un set électro-dansant autour de sonorités house, afrobeat et amapiano et plein d'autres surprises. Nous poursuivrons le 22 juin avec un cercle des lecteurs consacré à Jusine Sana à 15h à l'IFC autour de la BD Les Chroniques de Brazzaville dont elle est la co-autrice. Le samedi suivant, le 24 juin, nous retrouverons une restitution des ateliers de l'IFC avec pour les petits et les grands un tournoi d'échecs, du slam, des percussions, de l'éloquence et du théâtre. Le 27 juin, nous accueillerons à l'IFC la soirée prélude à la 5e édition du FICOMP, le festival dédié au film à Pointe-Noire. Au menu, nous aurons des avant-premières, des projections et de la musique à partir de 18h. Enfin, n'oubliez pas notre nouveau rendez-vous à l'IFC, les rendez-vous jeux les mercredis entre midi et 13h, dédiés aux enfants comme aux adultes. Vous pourrez venir pour les adhérents pour profiter des jeux de l'IFC. Enfin, le cinéma est au rendez-vous également. Nous avons ce mois-ci, tous les mercredis à 18h30, des films documentaires consacrés à l'environnement, à la pollution ou à la préservation de l'eau. Enfin, événement important, n'oublions pas la rétrospective du peintre monténégrin Trigo qui s'achèvera le 30 juin. Courez-y afin de voir ses œuvres très très intéressantes. Bien évidemment, tous nos événements sont gratuits, sauf mention contraire. Retrouvez toute la programmation de l'IFC sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi notre site web et en version papier à l'accueil. À bientôt !